Aujourd'hui, nous publions un thème de la DGE consacré au commerce de détail en ligne et à la crise de la Covid-19. Alors, la vente à distance est une forme de vente qui permet aux entreprises d'atteindre des marchés allant au-delà de leur zone de chalandise habituelle. Le commerce de détail en ligne a progressé de 7 milliards d'euros en 2020. C'est une croissance deux fois plus forte que lors des années pré-crise. Cette accélération de la vente à distance en 2020 a bénéficié à pratiquement toutes les catégories d'entreprises. Mais ce sont les plus grandes d'entre elles qui en ont davantage bénéficié, qu'elles soient spécialisées ou non dans la vente à distance. Le commerce en ligne des très petites entreprises, c'est-à-dire celles de moins de 10 salariés, a également fortement progressé au cours de l'année 2020, limitant par la même occasion les effets indésirables de la crise sanitaire. Les très petites entreprises disposant d'un magasin ont également profité de la croissance du commerce en ligne. Néanmoins, en 2020, elles restaient peu concernées par le commerce de détail en ligne, puisqu'elles représentaient seulement 1% du chiffre d'affaires du secteur, alors qu'elles pesaient 1/5 de l'emploi et du chiffre d'affaires du commerce de détail dans sa globalité. Pour évaluer l'effet de la vente à distance pendant la crise sanitaire, nous avons comparé l'évolution des chiffres d'affaires en distinguant d'une part les entreprises qui faisaient du commerce en ligne avant la crise et celles qui n'en faisaient pas. Nos résultats sont assez clairs. Le commerce en ligne a permis de soutenir le chiffre d'affaires des commerçants pendant la crise. L'effet protecteur du commerce en ligne s'est prolongé tout au long de l'année 2020 avec les différents épisodes de restrictions sanitaires. À travers l'initiative France Num, la Direction générale des entreprises œuvre chaque jour pour accompagner la numérisation des petites entreprises françaises. Ainsi, au lendemain de la crise sanitaire, France Num a proposé une aide forfaitaire d'un montant de 500 euros qui a permis à 16 000 petits commerces de renforcer ou même d'enclencher leur canal de vente à distance. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le thème de la Direction générale des entreprises, le commerce de détail en ligne et la crise de la Covid-19.